Je m'en rends compte que j'ai payé, je n'ai pas nettoyé là-bas. Maintenant, je vais encore nettoyer. Tu me donnes tout, même là-bas, tu assures, même là-bas. Non, j'ai d'abord le bas vent, c'est après. Hey! Ok, je suis au bureau. Ok. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller. Vous nous regardez bel et bien sur notre chaîne YouTube Suzanne et Christian. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo rubrique du dimanche, braise et barbecue du dimanche. Aujourd'hui, on va braiser un poisson qu'on n'a pas encore brisé. Dans nos vidéos, vous allez voir ma méthode à moi, mon assaisonnement à moi. Et vous voyez un peu le genre où vous voulez briser quelque chose. Et tout le monde à la maison a déjà tellement envie de manger ça. C'est juste incroyable. Donc voilà, venez, je vous montre un peu. Et entre temps, bébé Pascal signe sur moi. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Parce que la façon qu'il signe sur moi, mon bébé. Maman. Ça va. Maman. Oh, mais il signe sur moi tellement que je regarde comme ça. Il dit que je vais gronder l'enfant. Je ne vais pas porter l'enfant, je ne vais pas céder à ses caprices. Je me dis que c'est bien quand le papa est dur avec l'enfant et la mère est souple. Si les deux sont durs, ça ne donne pas. Si les deux sont souples, ça ne donne pas. Et en même temps, je me dis que certainement soit il veut dormir ou je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est grave avec lui et moi depuis le matin. Je demande seulement la permission avant d'allaiter le bout de chou. Et souvent, c'est un peu bouleversant de ne pas savoir quelle décision prendre. Parce que si on fait un genre, l'enfant va être frustré et... Oh, c'est pas facile. Bébé, tu vas descendre et aider maman, non? Pas ramasser l'eau, tu me donnes, je mets dans le poisson, d'accord? Tu veux manger le manioc? Non. Tu manges pas le manioc, pourquoi? Attends. Tu veux manger ça? Regarde. Bon, ça va, il te donne pas, viens manger moi-même. Oui, ça va, je vais manger moi-même. Oui, ça va, ça va. Voilà. Les gars, ce qu'on va faire, n'est-ce pas? On va essayer d'aller faire dormir bébé Pascal ensemble. Et si on a la chance qu'il dort, on revient continuer avec notre vidéo du dimanche, ok? Suivez-moi. Faut dormir. Faut pas dormir. Oui, on va ressortir dehors. Oui, on va ressortir dehors. On va ressortir. On va ressortir. Ça va, ça va. Il ne veut pas dormir, viens. Viens mon bébé, viens. Viens. Viens pas jouer, on ne pleure pas. Ça va. Dis coucou à la caméra, dis que coucou caméra. Dis que je suis bébé Pascal, je ne pleure pas, que je suis un monsieur. Dis alors mon bébé, dis que je suis bébé Pascal. Ne dérangez plus bébé Pascal, hein. Dis que je suis bébé Pascal, je ne pleure plus. Dis alors mon champion. Voilà. Dis que je suis. Dis que coucou la caméra. Dis alors bébé. Coucou la caméra. Non, tu ne dis pas. Et je connais moi. Tu es monsieur charismatique, hein. Tu as tes fans, hein, monsieur Pascal. Voilà. Bisous à papa. Bisous à papa. Voilà, laissez mon champion aller. Laissez mon champion et partez. Mettez les cœurs dans les commentaires, bébé Pascal. Voilà. Tu essaies un peu de jongler si tu peux le faire dormir. Genre, lui, tu te couches un peu avec lui. Parce que là, il ne veut pas rentrer dedans. Il veut rester dehors jouer. Il veut que je le porte, même si on est dehors. Là, ça ne marche pas, les gars. Donc, mon mari va essayer de le faire dormir. Et on va aller continuer avec la braise du dimanche. Heureusement qu'il est là pour m'aider. C'est pour qui ça? C'est pour mon champion, non? Voilà, dis que merci, papa.
Tu es content maintenant, non? Oui. Maman peut aller faire sa vidéo, non? Oui. Voilà. Voilà. Les deux, si vous regardez quoi? Un pour chacun. Voilà, tu descends au salon. Voilà. Le dernier plus bébé, Pascal, je reste avec mon champion. Voilà. Oui, oui, oui. Je reste avec mon champion. Pourquoi tu restes avec bébé, Pascal? Pas de pleurer. Non. Voilà, pas jouer avec tes frères, non, champion. Voilà. Et mettez. J'ouvre ton biscuit, bébé Pascal. J'ouvre ton biscuit. Donne-le. Voilà. Ton chocolat. Tiens, mon grand. Dis que merci, papa. Voilà. Bon appétit, mon grand. Voilà. Bon appétit. Voilà. Tiens, là-dessus. La famille, voilà ce qu'on va faire. Maman. Mais si, je n'aime pas les sucreries. Tu vois, je croque un peu sur ça. Mais si, c'est bon, hein. Mais si, mon bébé. Maman, je viens donner pour maman. Tellement c'est bon. Mais si vous avez quelqu'un qui contrôlait sa ligne comme moi, vous n'allez pas manger ça. C'est avec le truc là dedans, le coco, le truc là. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est trop bon. Voilà. Ça, c'est un reste de piment que j'ai à la maison. Donc, je vais assaisonner le poisson avec. Je pouvais être embrasée de 7 à 7, mais dans celui-ci parce que à l'extérieur, avec le feu et maman, tout. Je vais mettre ceci au-dessus de la grille. C'est toi, non? Donc, voilà. J'ai encore un peu un reste de piment ici. Parce que vous savez, nous sommes comment? Quand je fais mes aliments, je n'aime pas trop mettre le poisson, le poulet, la viande dedans et tout. Quoi, mon bébé? Quoi? Tu veux quoi, chérie? C'est le sel. Donc du coup, je n'aime pas trop mettre les obstacles dans la nourriture. J'aime quand je veux peut-être manger la viande, je fais briser la viande, je mange. Quand je veux manger le poisson, je fais briser le poisson, je mange. Quand je veux manger n'importe quoi, je brise, je mange ça, direct, je sens tout son plein goût. Maintenant, pour l'aliment, souvent, parce qu'en fait, si on se met à consommer la viande au quotidien dans les aliments, parce que vous savez que la viande, surtout la viande à chair rouge, c'est très nocif pour la santé parce que ça contient de l'acide urique. Avec l'âge, ceux qui mangent trop de viande ont trop de problèmes, que ce soit les problèmes de goutte, les rhumatismes, les problèmes un peu de ce genre, parce que ça rend le corps acide. Ah, donc, de ce fait, oui, je peux même les acheter quelque part, tu me donnes le soulever, maître. Ok. Donc voilà, nous avons les arachides frais aussi que nous trouvons tôt à la maison le matin. Du pur bio, donc je vais te envaser ça. Ça chaud, au passant, c'est qu'elle souffle sur ça. Non, maman, je n'enlève pas. Mange. Ça chauffe beaucoup. Les arachides frais, les gars. Le goût du village. Et quand on dit que arachide du village, c'est sa variété à elle seule. Son goût à lui seul. C'est trop bon. Donc, du coup, je continue avec ce que je faisais. Tu laves tes mains. Va à la douche, tu laves les mains. Donc, comme je vous disais tantôt, il n'y a pas trop d'obstacles dans la nourriture parce que c'est une habitude que je trouve que. En fait, c'est quand je fais mes recherches auprès des personnes âgées, ceux qui sont encore en bonne santé et tout, je me rends compte que ceux qui sont en bonne santé à des âges très avancés ne mangent pas la viande, la chair rouge. En fait, j'opte un peu pour leur manière de faire quoi. Mais je vais venir ouvrir, chérie. Donc, du coup, j'ai le piment à la maison. Donc, voilà. Je vais utiliser ça pour briser le poisson. On n'empêche pas que je vais faire une nouvelle sauce parce qu'en fait, c'est ça qui fait le poisson quand vous avez une bonne sauce pour bien manger. Mais celui-ci, c'est pour assaisonner la braise. Ok, vous avez vu comment j'ai mis beaucoup d'huile. Pour qui? Mon bébé. Pour qui? C'est pour toi. J'étais en train de faire une vidéo face caméra pour ma chaîne YouTube Jardin du Bien-être. Donc, je vais devoir enlever la perruque. Ah, tu prends la perruque si tu peux mettre dans la chambre de papa et maman. D'accord. Tu peux mettre dans la chambre de papa et maman. Hein. Tu as compris? Hein? Mets dans la chambre de papa et maman sur le lit ou bien tu mets au dressing. Hein? Ah, maintenant mes cheveux respirent. Bon, dès que papa tourne le dos, tu reviens que je te porte.
Non, ce n'est pas gentil, bébé Pascal. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Non, tu dois seulement pleurer, mon bébé. Et après, tu vas te calmer. D'accord. Donc voilà. Ah, tu vas m'apporter les oignons. Le poivre blanc. J'ai déjà ça là-bas dehors. J'ai tous les autres ingrédients. Donc, on va aller passer à la braise, les gars. On va aller passer à la braise. Ne nous occupons pas de bébé Pascal. On fait juste ce qu'on a fait. Je ne peux pas te porter. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, mon bébé. Maman a mal. Non, papa est sorti. Viens, viens, ne viens pas de l'eau. Viens, 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 pas faire nos aventures de l'eau. Viens. Ne vont pas faire les aventures de Suzanne et Pascal. Viens. Tu es mon beau-père. Viens, viens. Trop bon. Voilà, commençons par le début du commencement. Merde. Je me rends compte que j'ai payé, je n'ai pas nettoyé là-bas. Maintenant, je vais encore nettoyer. C'est une habitude que j'ai perdue depuis. Aïe. En tout cas, on va faire comment? On va à côté de l'eau là-bas, nettoyer. Mon bébé, voilà, tu connais, brave garçon. Voilà, voilà, on dépose ici. Voilà, tu veux t'asseoir à côté de moi? Hein? C'est toi, alors ici. Tu peux manger au remède? C'est bon, mange. Oui, mon bébé, mange. Regarde. Mets tout dans ta bouche. Tu manges. Voilà, mets le tout. Merci mon bébé. Va manger. On m'a tout mangé. Tu veux manger au poisson? Attends, ça cuit non? Tu peux manger le poisson que cru, mon bébé. C'est un galet pour enlever les arêtes sur le maquero. Il est là, tu sais. Oui, tu vas bien manger tout à l'heure, d'accord, mon bébé. Donc voilà, le problème que j'ai souvent avec les enfants, c'est que quand vous mettez la viande dans le plat beaucoup, oui, tu vas manger, mon bébé. Quand vous préparez avec trop d'obstacles, les enfants ont tendance à manger le poisson ou la viande ou le poulet dans le repas et ensuite ils sont rassasiés pour le repas en question. Du coup, ça fait que quand il s'agit de braise, vous mangez que ça jusqu'à ce que vous êtes rassasié. Et quand il s'agit de repas, vous mangez que, par exemple, c'est de la soupe du gombo avec soit du tapioca et tout. Patience bébé, tu dois manger le gombo jusqu'à ce que ton ventre sente que non, ah, on m'a envahi avec le gombo aujourd'hui. Pas qu'à l'intérieur, il y a 30% gombo, il y a 40% obstacles et vous voyez. Donc du coup,
quand les enfants veulent manger, ils ont vraiment l'appétit pour ce qu'ils mangent. En fait, quand c'est gombo, ils aiment parce que c'est le gombo. Le poisson, ils aiment parce que c'est le poisson. Vous voyez un peu le genre. Je ne sais pas si j'explique ça comme il faut. Je te porte encore. Yeah, bébé Pascal. Je te porte. Yeah, bébé Pascal. Je te donne le poisson, tu nettoies. Je te donne le poisson, tu nettoies. Ok, je te porte un peu. Ça va, ça va. Ça va, non? Si je te porte, tu pleures. Tu veux partir? Tu veux quoi? Papa n'est pas là. Hein? Maman. Il fait un peu les caprices. Il veut qu'on l'accorde un peu de l'attention. C'est normal. Hein? Quand le bout de chou n'est pas là, il profite. Hein, mon bébé? Donne alors. Donne encore le remède de manche. Donne la main. C'est bon, hein? C'est quelle partie du remède que tu me donnes comme ça? Bisous, bébé, bisous. La famille, j'utilise une brosse comme ça pour bien laver l'intérieur de mon poisson. Enfin, arrête. La famille, vous savez que comme j'étais nouveau au village, je n'avais pas le couloir pour acheter les poissons frais en bon état. Donc c'est avec le temps. Chérie, c'est quoi? Tu vas aller voir Arthur. C'est avec le temps que j'ai découvert les bonnes heures et les poissonneries où je pouvais aller trouver des bons poissons frais comme ce que vous voyez, je suis en train de nettoyer là maintenant. Je dis ça parce qu'il y a une des précédentes vidéos dans lesquelles j'avais vraiment le ras le bol avec la qualité du poisson que j'ai fouillé partout et je ne faisais que trouver. Mais là, j'ai solutionné enfin ce problème. Ça va? Ça va, bébé. J'ai fini de nettoyer. Je vois qu'il y a encore un que j'ai oublié. Hein, bébé Pascal? Oh, les gars, j'ai très bien nettoyé le poisson. Ce qu'on va faire maintenant, on va le passer au suite du programme. Ne simplifiez jamais le boulot de quelqu'un. Hein. C'est vrai que nettoyer le poisson, c'est rien, mais on est déjà habitué à sauter l'étape du nettoyage parce qu'on a nettoyé au marché là. Et quand on doit encore reprendre. Tout pour cette quantité de poisson, ce n'est pas possible. Et en plus avec bébé Pascal à côté en train de faire ce qu'il fait depuis là, comme vous voyez là. Voilà, bravo. La famille, regardez l'intérieur comment c'est propre. Donc tout ça c'est parce que j'ai utilisé la brosse. Ma brosse a la même couleur comme le couteau. Quelle belle coïncidence. Donc je brosse bien l'intérieur là. Et là je suis sûr que mon poisson est bien nettoyé. Je garde toujours les bronchites de mes poissons. Surtout le maquereau. Parce que quand j'étais petite, j'ai été habituée aux bronchites. Donc j'aime faire frire dans l'huile jusqu'à ce que ça devienne croustillant. J'adore bien la sensation. Aussi parce que quand j'étais petite, j'ai pris cette habitude là. Je ne sais pas. Mais dites-moi. Est-ce que vous conservez les bronchites de vos poissons maquereaux? Maquereaux surtout parce que ces bronchites ne sont pas comme les autres. Parce que c'est pas... Je mange uniquement les bronchites du maquereau. Les autres souvent c'est pas... C'est pas la même chose.
Ça va bien, mon bébé. Bébé est en train de téter, non? Quand bébé est là, il joue vraiment au grand frère. Mais c'est quand il voit que bébé n'est pas là, qu'il vient encore dire que maman, n'oublie pas que c'est moi-même, j'étais là. Hein? Mange le pilet, justement, t'es d'accord, bébé? Donc voilà, là j'imagine que notre assaisonnement a bien imprégné. Parce que c'est toujours bien quand on assaisonne le poisson, on laisse un peu bien imprégner en fait, le poisson, la viande, tout ce qu'on va passer à la, au grill, hein, au charbon. Voilà. Oh, c'est cool, ça. Voilà, Chouchou qui arrive, donc tout est prêt pour la braise, le piment, j'ai eu de l'aide pour le piment parce que c'est pas facile avec la maternité. Le complément est déjà là. La seule chose qu'on a que Chouchou a oublié, c'est de prendre, je crois que peut-être qu'il aurait pris le plantain mieux pour lui, parce qu'il aime bien manger ma braise avec, surtout le poisson. Chérie, tu as pensé au plantain mieux pour ton complément, où tu manges les bâtons aujourd'hui? Il dit que j'allais le dire pour qu'il puisse acheter, qu'il ne savait pas qu'il n'y avait pas de plantain. Et effectivement, il a raison. Hein. Bon, mais je vais faire comment? C'est pas souvent facile de se départager par 100 000. Désolé, Chou. Il n'y a pas de désolé qui tient. Ya, yeah, ya. Yeah. Moi, tu es sexuel à la cuisine comme ça. Oh. C'est normal, non? Tu manges les bâtons aujourd'hui, dans la prochaine non, fois, non, je non, vais te... Non, les plantains, mieux, on prend les dispositions. On va faire comment, alors? Tu l'as même dit que les plantains, ils sont finis. C'est maintenant que je m'en rends compte. C'est bien que quand il y a poisson brisé, c'est le plantain. N'est-ce pas? Mmh. Merci mon bébé. Merci beaucoup. Voilà, le feu a déjà pris. Merci ma chérie. Merci beaucoup. Voilà. C'est parti pour une bonne braise. Chouchou. Chouchou.
vas manger au poisson. Tu vas manger au poisson jusqu'à. Ach. Eh, le goût de ça, non, ça donne envie. Pardon, que dimanche vienne à chaque fois, que chaque jour soit dimanche. Dieu a dit que Dieu a fabriqué, Dieu a travaillé pour les autres jours, mais le dimanche, il s'est reposé. Il faut que chaque jour de repos comme ça, là, on savoure comme ça, on se couche et on digère. C'est pas ça, les gars. C'est ça ou c'est pas ça? Parce que les jours de travail, là, on travaille souvent jusqu'à on oublie de manger. Donc, au moins un jour comme ça, là, on mange quelque chose qui nous plaît. Même si les autres jours, là, on va faire le régime, il n'y a pas de problème. Regardez, parce que si vous allez voir que je fais la bouffe, mais j'ai le ventre plat alors que mon bébé, là, n'a pas encore 3 mois au moment où je vous fais cette vidéo. Donc, ça sous-entend que savoir manger et comment manger. Donc, ne pas manger carrément à n'importe comment. Vous voyez un peu le genre. Pardon. Il tourne le poisson. Le maquereau aussi est juteux. Non, c'est la magie. Bon, on va un peu essayer de voir si c'est cuit. Hein. Si monsieur qui s'en était là, il devait lui faire goûter. Il aime bien goûter les choses. Donc, voilà. Je trouve que c'est cuit. C'est cuit. Si je laisse trop au feu, même ça va sécher. La chair va devenir trop tendre. C'est pas bon. Trop. Ça va commencer à devenir dur, quoi. Ça va sécher. Pourtant, c'est très bien quand c'est encore saignant. En fait, moi j'aime quand c'est saignant. Mais pour monsieur Christian, je vais laisser. Ça va bien sécher. Donc on va servir comme ça. Hein. C'est déjà bon. Mec, c'est grave, hein. Comment c'est bon. Mais apporte les oignons pour que je serve, s'il te plaît. Mais viens goûter d'abord. Ça chauffe, hein. Ne te brûle pas. Il faut que chaque jour soit dimanche, non? J'ai dit chaque jour, mais c'est bon là. On fera du poulet, on fera des gambas, on fera. Je vais citer quelle et c'est quelle. Le pays a le goût, dis donc. Mais ma petite, je sais à manger. Regarde, j'ai. Vous avez compris, maman Suzanne, yo. Quand souvent le feu te brûle, tu dis même les paroles que tu ne connais même pas. Que tu n'es même pas à mesure de traduire en français. Bébé Pascal, qu'est-ce que tu fais? Tu veux manger au poisson? Voilà, tu veux manger au poisson avec papa? Au poisson de maman? De maman, non? Voilà, on va manger le poisson ensemble, bébé Pascal. Bébé Pascal! Bébé Pascal, salue la caméra. Dis que je m'appelle bébé Pascal. Vas-y alors. Dis que je m'appelle bébé Pascal. Bébé Pascal, ça va? Ça va bien. Dis-moi alors si je vais aussi bien. Dis que papa, ça va? Ça va bien. Dis-moi alors, demande-moi alors, papa, ça va? Papa, ça va. Moi, ça va. Et toi, comment tu vas, bébé Pascal? Non. Hein? Non. Bébé Pascal, tu vas pas bien? Hey, bébé Pascal! Toujours maman Suzanne, encore maman Suzanne. Les gars, vous-même, regardez. Quand vous avez une femme comme Suzanne, est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est normal qu'avec une femme comme ça, on se permet encore de blaguer? Regardez tout ce qu'elle fait dans ma vie, les gars. Quand je suis malade, elle prend soin de toi. Si je choisis une nourriture à manger, elle va le faire. Nous, les hommes, finalement, même, quand on commet l'infidélité, je me dis plutôt que c'est plutôt. Ça doit être. Je ne sais pas comment il peut expliquer ça. Ah ouais, donc c'est pas. Je me dis que ça doit être une malédiction.
Pour les hommes qui en commettent. Oui, ça je le dis, cher. Tu sais pourquoi je le dis? Tu sais pourquoi je tiens compte de ça? Parce que tu me donnes tout, même là-bas. Tu assures, même là-bas. Je préfère l'homme. Que les enfants comprennent. On dit chez Manu que l'homme, le ventre et le bas-ventre, le tout est joué. L'homme, j'ai d'abord le ventre, le bas-ventre c'est après. Ok, je suis au bureau. Ok. Donc pour les enfants, j'enlève complètement les arrêts parce que c'est très dangereux pour un enfant d'avaler l'arrêt et que ça lui cale au cou. Tellement, les arrêts se cachent tellement dans le poisson, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Merci mamie. Donc je mets les oignons parce que j'apprends aux enfants à manger les oignons. Mais je ne mets pas le piment parce que ce n'est pas bon pour l'estomac des enfants. Les gars, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Hein. Prenez soin de vous, on se dit à dimanche prochain là. Je suis fatiguée, j'ai envie de juste m'asseoir, manger, allaiter le bébé, prendre une bonne douche parce que vous voyez le climat, il fait chaud, il fait beau. J'entre même peut-être dans le jacuzzi, je me la coule douce et après je dors vraiment. Ce dimanche, je veux vraiment me reposer. Peut-être je pourrais vous vlogger si j'ai encore un peu de force sur mes routines, comment je fais, comment je prends mon bain, des élémentaires, à garder une peau bien propre et bien hydratée de A à Z. Donc si cette vidéo atteint au moins 1000 likes, et je vous reviens le dimanche prochain avec une autre vidéo, braise barbecue. Et en plus, je vous partage ma routine, hein, ma routine, ce que je vais faire tout à l'heure là. Prenez soin de vous les gars et à très bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.